La classe dehors, c'est une formidable aventure. C'est une autre façon de vivre l'école qui apporte beaucoup de joie aux enfants et aux enseignants. Bonjour, je suis Alexiane Spanu, salariée de l'association Graines Poitou-Charentes, un réseau d'éducation à l'environnement fondé il y a une trentaine d'années par des enseignants et des éducateurs nature. La classe dehors, c'est une formidable aventure. C'est une autre façon de vivre l'école qui apporte beaucoup de joie aux enfants et aux enseignants. Elle est fondée sur le contact direct et régulier à la nature. Elle est inscrite dans l'emploi du temps toutes les semaines. C'est une démarche d'enseignement réfléchie, évidemment complémentaire de l'école à l'intérieur, qui est particulièrement propice au jeu libre. Avec le jeu libre, les enfants apprennent à leur rythme, selon leurs besoins et avec les éléments naturels qui les entourent. Et ça, c'est vraiment primordial. La classe dehors permet de répondre à de nombreux enjeux de notre société actuelle, notamment des enjeux de santé publique majeurs autour de l'inactivité physique, mais aussi de la santé mentale, des enjeux sociaux, de comment on peut vivre tous ensemble, à la fois au sein de la communauté des humains, mais aussi avec les non-humains. Et ça me permet de faire le lien aussi avec les enjeux environnementaux majeurs. Des souvenirs d'expérience du dehors, j'en ai des milliers, et ils sont vraiment fondateurs de qui je suis aujourd'hui, mais j'ai envie d'en partager un avec vous qui est relativement récent. C'était pendant une nuit de bivouac en montagne, et j'ai été frappée par le calme vraiment très important qu'il y avait. C'était un silence absolument magnifique. Et voilà.